Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. J'espère que tu as passé une bonne journée. C'est parti pour ton tirage du jeudi 6 juin. On va regarder ce qui ressort. Tu te concentres sur ta journée, sur le message que tu aimerais recevoir. Et c'est parti, j'ai pas grand-chose à dire. Si, merci pour tes mails, pour tes messages sur l'oracle. Si je les reçois tous, mais j'en ai tellement que j'ai pas pu répondre à tout le monde. Alors merci beaucoup pour mon petit oracle sentimental, j'ai vu qu'il te plaisait. Alors, merci. Allez, go! J'ai brassé là. Hein. Là, j'ai brassé là. Alors, qu'est-ce que t'as? Tu as travaillé dur et tes efforts sont récompensés. Tu éprouves un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accorde-toi une pause bien méritée et profite. Tu vas bientôt fêter un événement heureux. Fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou une naissance ou un projet, hein, on est en vidéo générale. Bon, c'est plutôt cool ça. Bon, ben, finalement, tes efforts sont récompensés. Tu as peut-être commencé à pouvoir récolter. Tu t'es pas battu contre le vent, comme j'ai l'habitude de dire, donc c'est plutôt pas mal. Donc aujourd'hui devrait venir à toi une récompense. On va essayer de voir et de gruger un peu pour voir le cadeau, comment il ressort dans le tirage. Et là, on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, jeudi 6. 3, 4, 5, 6. Jeudi 6. À la coupe. Le cadeau, il est là. Voilà, c'est magnifique ça. Bon, il a mis du temps à arriver quand même. Oh, il a été bloqué à la poste. Hein. Blocage, retard, obstacle. T'as peut-être déjà loupé peut-être une opportunité, hein. T'as peut-être déjà loupé un train, mais un second arrive. Voilà, si t'entends gratter, c'est qu'il y a du jardinage à côté. Hein. Désolé, hein. T'es un petit peu haut, non? Je suis obligée de. Attends. Attends, 2 secondes, je reviens. Là, mieux là. Voilà. Alors, je te disais, du coup, le cadeau qui ressort avec le retard m'indique que peut-être t'as déjà loupé une opportunité et cette opportunité va revenir à toi. Ça a mis du temps, mais quelque chose devrait débarquer. Et tu peux être serein ou sereine par rapport à ça. Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas d'anguille sous la roche. Donc, on pourrait parler de surprise. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le retard, on a la maison. Ça peut concerner le domaine immobilier. D'ailleurs, on le voit, hein. L'événement heureux, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison. Ok. Ouais, ça a été galère quand même. Protection, ça peut être un avocat, un notaire, ouais, l'organisme. Belle prise de tête, putain, ça t'a bien fait chier. Hein. Bon, ben après, ça parle sur d'autres domaines. Peut-être un professionnel. Eh ben, on a la victoire, enfin. Hein, oui. On voit le cheminement relativement compliqué. Bon, quoi qu'il en soit, après un temps d'attente, on a ce fameux cadeau qui débarque pour toi. Attends. Putain, ça fait que flouter. Hein, comme ça. Allez, on a ce cadeau qui arrive. Avec la tranquillité, la sérénité qui ressortait derrière. Tu vois, la tranquillité et la sérénité peut être ce message-là. Tu vas éprouver un sentiment de sécurité. Putain, c'est écrit, hein. Tiens, regarde, je te mens pas, hein. C'est écrit, hein. Tu vas avoir un sentiment de sécurité. Cadeau, tranquillité, sérénité. Oh. Ça s'apaise, tu vois. Bon, bien sûr, on n'avance pas tous de la même manière. Ça va peut-être pas arriver pour tout le monde dans la même journée. Mais ça arrive. C'est l'essentiel à savoir. Allez. Hop, hop. Je prends les 9 cartes. Bon. La maison, blocage, culpabilité. Ça peut nous parler d'une petite dépression ou d'un burn-out. Hein. Que vois-je? Le miroir magique qui annule l'échec, qui annule la culpabilité et qui annule le retard et les obstacles. Voilà. Voici venu des jours meilleurs. Allez, alors on avait, attends, on avait le blocage et on avait le retard, la lenteur. Hein. Allez, au centre du tirage. J'aime bien faire comme ça. L'hérédité, qui va nous parler de sagesse, de bon discernement. Ça peut me parler de famille aussi, hein, d'accord? On a l'argent. Ça peut me parler d'héritage. On a le changement. Je te regarde, j'aime bien. On découvre en même temps. On a le déplacement, le voyage. On a les accusations. Bon, là, on est sur un héritage, hein, j'ai l'impression. Héritage, vente, achat, des discussions, des négociations. Ça n'a pas été simple, hein, par contre. Hein, mais...
On a l'étranger, changement de région ou de département. Voyage étranger. Ça peut être aussi la course aux papiers, pour faire les papiers, pour le passeport, la carte d'identité, tout ça, pour pouvoir voyager. Il y a le retour, un verdict qui tombe. Oh putain! Ah ouais, on est d'accord qu'il y a un truc qui te revient à la tronche là aujourd'hui. Hein. Est-ce que c'est positif? Ah, bon, on a un homme. Bon, il y a un retour hein, aujourd'hui. Hein. Alors, je pense que c'est par rapport à l'aspect financier, surtout c'est le domaine financier qui est vraiment ressorti dans ton tirage par rapport à ce retour. Ça peut être en lien du coup avec un héritage, avec un déménagement, une mutation, un changement tout court, hein, d'accord? On voit quand même avec ces cartes-là que tu t'es bien acharné, que tu t'es bien arraché, qu'il y a eu du temps de mis, des contretemps, d'accord? Il y a eu pas mal de lenteur, de blocage, d'obstacles. Mais aujourd'hui, on a ce retour qui ressort. On a vu que du coup, tu vas avoir une belle satisfaction dans la journée. Alors, on va essayer de confirmer, on va voir si ce retour est positif ou pas. Voilà ce qui a sauté. La victoire. Bon, je pense que ton temps est venu là. Le temps de la victoire. Il y a la victoire qui ressort dans le tirage. Voilà. Si c'est pas aujourd'hui pour toi, on va te demander de continuer tes efforts, de ne pas lâcher l'affaire, parce que ce temps de victoire arrivera aussi. On n'avance pas tous de la même manière, on n'évolue pas tous de la même manière. Donc ça ne peut pas se débloquer pour tous aujourd'hui, ce jeudi, hein, qu'on soit d'accord. Mais voilà, la victoire qui ressort. Donc ce retour est positif puisque tu as la victoire. Ça concerne essentiellement, je pense, l'aspect financier, comme j'ai dit, l'héritage, vente, achat, location, pourquoi pas, voyage, déménagement, papier, mutation. Voilà, ça concerne un changement de vie. Voilà. Ou l'aboutissement d'une procédure financière en lien avec les finances. Divorce, rupture conventionnelle, ça, professionnelle, là, avec l'argent, voilà. On arrive à la fin d'une belle lutte là. OK? Allez, on va aller voir les différents domaines. C'est pas mal! On a voulu aller voir ce retour quand même et il y a la victoire qui a sauté. C'est bien, hein? Oh, mais tiens! Oh, mais tiens! Une belle surprise! Bon, l'avantage de la surprise et le but de la surprise, c'est qu'on ne sache pas trop à l'avance. Ce qu'on peut dire quand même, c'est quand même quelque chose de positif. On n'est pas sur un cadeau empoisonné, d'accord? On n'est pas sur une surprise qui te tombe sur le coin de la figure du style « Coucou, faut que tu changes la bagnole, j'ai cramé !» Voilà, d'accord? On est sur une belle surprise. Depuis tout à l'heure, on te dit qu'il y a un beau cadeau qui ressort, quelque chose de positif qui revient à toi avec le boomerang et le retour. Donc voilà, on a, ça peut être cette surprise, ça peut être des réconciliations, ça peut être des solutions, ça peut être une ouverture alors que ta situation était bloquée. Voilà, ça peut être ça, hein, ok? On n'est pas obligé d'être sur un cadeau matériel, mais il y a quand même une résolution d'une problématique aujourd'hui. Ok. Alors là, tu vois, on parle encore d'avocat, de justice, de notaire, d'organisme officiel, ça peut être les impôts, pourquoi pas. Je ne sais pas, parce que comme on a l'aspect financier, mais il pourrait y avoir un verdict assez important, assez officiel. J'ai la main gauche qui gratte. Donc, ça peut concerner l'aspect financier. Alors, ouais, l'émotionnel n'est pas au rendez-vous. Hein. Là, on n'est pas dans un bon mood, mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, hein, je pense. Hein. L'émotionnel, l'instabilité, l'échec, la culpabilité. Tu rumines quelque chose qui n'a pas lieu là. C'est passé, c'est fini. Tu as peut-être loupé quelque chose, tu as peut-être loupé une opportunité, tu as peut-être laissé passer quelque chose. Peut-être que tu te dis si j'avais si, si j'avais fait, si j'avais. Voilà. Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien. À part te miner et te mettre à ras du sol, ça sert à rien. Voilà. Donc essaye d'éviter. Ce qui est passé est passé. Tu peux rien changer. Tu le sais, hein, mais je te le rappelle. Petite piqûre. Par contre, l'avenir peut se mettre en place. Tu peux construire quelque chose. Mais le passé, là, ça sert à rien. Ça, c'est de la mouise, ça. Ça sert à que dalle. À part te miner, ça sert à rien. Te mettre des bâtons dans les roues, te faire ramer. Te faire traîner la patte, c'est tout ce que ça fait. Voilà. Donc, si tu peux déjà essayer de dégager ça de ton esprit, c'est passé, c'est passé, c'est trop tard. T'as fait comme ça, t'as fait comme ça. Tu devais faire comme ça, peut-être. Maintenant, regarde l'avenir, les projets, la construction, le nouveau départ. Voilà. C'est ça que tu dois regarder. Que tu dois regarder. Tu vois? Voilà. Arrête. Parce que tu te perds là. Et tu sors complètement de la réalité. T'essayes d'arranger quelque chose que tu peux pas arranger. Ça sert à rien. Essaye plutôt de reconstruire, de repartir.
Il y a un sentiment de manque par rapport à un ami ou une amie ou un groupe d'amis qui ressort aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va te manquer. Alors, il y a la distance, peut-être que c'est quelqu'un qui est parti loin de toi, peut-être que c'est toi qui es parti loin, peut-être que vous êtes disputé, il y a une distance entre vous, je ne sais pas, mais il y a un sentiment de manque par rapport à un ou une amie qui ressort dans le tirage. Possibilité de se revoir, peut-être que tu peux l'appeler ou cette personne va t'appeler. Possibilité de se réconcilier aussi. Il y a quelque chose au niveau amical qui peut être amélioré si on met son ego et son orgueil de côté. Au sein de ton foyer, à toi, famille, t'as le miroir magique. Regarde ces belles cartes qui ressortent. Tout est réalisable. Là, on peut parler de réconciliation aussi. Mais au niveau foyer, famille, très, 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 très belle énergie. Tu pourrais avoir du soutien de ces personnes pour y avoir des réconciliations. Il y a un très gros apaisement. Une très belle énergie au niveau foyer, famille qui ressort dans cette journée. L'évolution, chance à saisir pour pouvoir se propulser dans l'avenir. Quel beau message! C'est sorti tout seul. Voilà. Il y a une chance ou une opportunité à saisir pour pouvoir aller de l'avant et évoluer et sortir de sa zone de confort surtout. Mais si tu es dans ton passé à essayer d'arranger quelque chose que tu ne peux pas arranger dans ta tête, ça va être compliqué. Fais attention de ne pas louper le train. Ok, tranquillité sur l'élan de vipère aujourd'hui, c'est cool, tu vas réussir à gérer. Si jamais il y a des situations un petit peu compliquées qui se passent aujourd'hui, tu réussiras à gérer. Voilà, il y a vraiment cette notion de gérer ça comme un maître, d'accord? Voilà, vraiment tranquillité et sérénité par rapport à de la toxicité ou des difficultés. Super. Domaine sentimental. Il n'y a qu'un message et il n'est pas super joli. Il y a une trahison qui va ressortir. Donc le fait d'apprendre qu'il y a eu une tromperie, peut-être que toi, tu vas te libérer de ça et tu vas dire ou avouer qu'il y a eu une tromperie. Il y a certains qui vont apprendre qu'il y a une tromperie dans le domaine sentimental. Après, ça peut être le fait aussi que tu viens de rencontrer quelqu'un. Et cette personne va t'avouer qu'il est en couple ou qu'elle est en couple ou tu vas l'apprendre. Hein. Voilà, ça peut être ça. Hein. Mais là, le seul message que j'ai par rapport au domaine sentimental, c'est qu'il y a une révélation et qui n'est pas forcément positive à apprendre. Hein, domaine du cœur. Oh, il y a des formations dans le domaine de la spiritualité là qui ressort. Ah, tu vas te lancer. Il y en a qui se lancent là. Ça les appelle, ça les appelle. Oh oui, formation. Domaine de la spiritualité, engagement, auto-entreprise. Voilà. Il y en a qui se lancent, il y en a qui se lancent dans ce domaine-là. Ouais. Après, il y a des engagements dans une formation aussi. Certains vont se lancer dans une formation, une reconversion. Si tu passes un examen, un concours, un diplôme, il y a la réussite avec la carte du contrat. L'avenir est plutôt prometteur dans ce domaine de reconversion ou de formation, là. D'accord? Et ça peut être des papiers aussi pour se lancer dans une auto-entreprise, hein, ces cartes-là. Hein. Voilà. Il y a des engagements en lien avec une entreprise. Il y a des papiers, des courriers, des signatures importantes aujourd'hui aussi. Voilà. Oh, c'est pas mal ça. La santé, la bouche, les dents, la langue. Aft, je sais pas, il y a quelque chose qui ressort au niveau de la bouche, peut-être aller mettre un appareil dentaire à un enfant ou toi, des gouttières ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça qui ressort au niveau de la santé aujourd'hui. Le temps ressort toujours avec la victoire. Changement de direction qui ressort, qui est plutôt favorable. Domaine professionnel, on a l'enfermement et on a la femme qui ressort. J'ai l'impression que soit il y a une personne qui te bloque, soit il y a une personne qui te tétanise. Et ça peut parler de dépression ou de burn-out, domaine professionnel. Cette situation-là va te permettre de changer quelque chose. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans un blocage dans le domaine professionnel. Hein. Plutôt dans un blocage, dans ce domaine-là. C'est, en tout cas, ce n'est pas le jour à faire quelque chose, ou à demander quoi que ce soit, ou à bouger. On va te demander d'être plutôt pacifique par rapport au domaine pro aujourd'hui. Voilà! Je vais te prendre une petite carte des heures miroir. Oh, ça allait vite aujourd'hui. Alors, petit message. Tends l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. C'est pas moi, hein, c'est ton ange gardien ou ton guide ou l'univers, hein, c'est pas moi. Hein.
Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Beaucoup de sérénité, hein. Beaucoup le mot sérénité pour aujourd'hui. Hein. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Voilà. Alors ça, c'est tend l'oreille. Ça veut dire qu'on essaye de te parler, de te guider ou de te rassurer, mais tu ne veux pas l'entendre. Je veux juste un autre message pour savoir si cette journée sera bonne ou pas. Hein? Discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Bon, ben, je peux rien faire. Voilà, c'est exactement ce qui était ressorti dans le tirage. Donc aujourd'hui, on va te demander d'écouter ton intuition, tes ressentis, d'ouvrir grand les oreilles, d'avoir le bon discernement, de ne pas prendre de décision à la va-vite, de ne pas trop t'énerver et de rester bien les pieds sur terre. La tranquillité, la sérénité et confiance. Voilà, bon bah écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Moi, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut.